Vous êtes le candidat de l'opposition, vous estimez avoir gagné cette présidentielle. Première question, elle est simple, hein. Qui est légitime pour diriger la République du Gabon ce soir, vous ou le général Brice Oligui Nguema ? Alors il faut situer les choses dans leur contexte, d'abord c'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. La campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo qui est là. Qui continue, c'est pas un coup. J'ai entendu. Qui est là ? Je sais que tu as quand même derrière. Derrière Oligui Nguema, y a pas à chercher. C'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Donc Oligui Nguema n'est qu'un sous-fifre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascaline Bongo, et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Vous dénoncez donc une révolution de palais. C'est du népotisme selon vous ? Tu peux me dire. C'est une révolution de palais. Donc il n'y a pas de coup d'État militaire. La preuve, c'est la garde prétorienne qui a fait la révolution de palais. Les autres militaires n'étaient pas associés. Donc c'est une révolution de palais. Alors qui est légitime ce soir pour diriger la République du Gabon ? Vous ou le général Brice Oligui Nguema ? La question ne se pose pas. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Vous demandez un recomptage des voix ? Je demande qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques. Les résultats sont connus de tout le monde, qu'on donne les véritables résultats. J'en suis là. Et cette révolution de palais, au fait, vous la condamnez ? C'est pas moi qui dois... Je suis démocrate. Un démocrate ne s'accommode pas de coup d'État. Ou on est démocrate, ou on est putschiste. Et à partir de ce moment-là, je demande aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est au ras des pâquerettes. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Le général Nguema va prêter serment officiellement lundi comme président de transition. Pour vous, il ne sera pas légitime dans ce rôle. Vous ne le reconnaîtrez pas dans cette institution de transition. Je vous ai dit qu'un démocrate ne reconnaît pas les coups d'État. Voilà. Même si les coups d'État peuvent être justifiés, je suis un démocrate. Je ne peux pas le reconnaître. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on reconnaît, on condamne le coup d'État, on doit condamner ce qui en suit, à savoir effectivement la transition. Et j'ajoute que moi, je savais que le coup d'État était en préparation depuis près d'un an. Vous le saviez. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que dimanche, au lendemain de l'élection, vous avez mis en garde le président Ali Bongo en lui disant « Vous n'avez pas la garde présidentielle avec vous, vous n'avez pas l'armée avec vous. » Je suis allé à Paris, j'ai vu le Coderset, l'Élysée le sait. J'ai prévenu sur Cialé ce qui est passé. Maintenant, on attend la communauté internationale. Attendez, vous dites que vous saviez que l'Élysée, la France, savait qu'il allait avoir un coup d'État ? Je disais qu'on allait avoir un coup d'État électoral. Les Bongo n'ont jamais gagné aucune élection. Par conséquent, ils n'ont fait que de coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Et que vous a dit le Quai d'Orsay que vous avez cité, le ministère français des Affaires étrangères ? Que vous a-t-il dit ? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été écouté. J'ajoute que les coups d'État sont condamnés. Par qui vous avez été écouté ? Pour la communauté internationale de revenir à l'ordre républicain. Ouais. Et j'attends. Ouais. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, vous avez discuté avec elle ? Je n'ai pas discuté avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai discuté avec ses conseillers et les directeurs et sous-directeurs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez parlé au fait à Brice Oligui Nguema, le général ? Vous avez parlé avec lui ? Pas encore. Il vous a appelé. Comment ça se passe ? Eh bien, je pense avoir gagné l'élection. C'est pas à moi d'aller vers Oligui Nguema. C'est Oligui Nguema à venir vers moi. Et vous lui demandez... dans tous les cas, il viendra. Et que lui demandez-vous ce soir ? Quel message lui adressez-vous ? Je n'ai rien à lui demander. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Moi, j'attends le retour à l'ordre républicain.
Chacun de nous sait ce qu'il a. Moi, j'ai avec moi le peuple gabonais à 80% et à lui de savoir sur quoi, sur quoi il compte. Ouais. On a vu des scènes de liesse aussi pour soutenir ce que vous appelez cette révolution de palais et ce coup d'État. Le peuple gabonais, en tout cas, de nombreux Gabonais sont avec ces militaires. Le problème, les Gabonais sont sortis dans la rue pour saluer le départ des Bongo. Mais j'ai dit effectivement que là, ils ont vu, ce n'est pas les Bongo qui sont partis, un Bongo a remplacé un Bongo. Ils vont devoir revenir à la réalité. Mais vous savez comment ça se passe en général quand il y a des militaires qui viennent à la télévision et qui annoncent qu'ils vont créer un conseil de transition. En général, c'est parti pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que vous ne redoutez pas que le temps joue en la faveur du général ? Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face. Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face à une population qui est décidée. La population est la seule force qui démet les militaires. Et ça, c'est vu dans plusieurs pays. Moi, j'attends. Vous n'avez pas peur ? J'attends. Mais non, je n'ai pas peur. J'ai dit que j'étais prêt à mourir. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à tuer. Mais ils ne tueront pas la révolution qui est en train de se préparer. Le Gabon vaincra et les militaires seront mis de côté. Et le clan Bongo sera mis hors d'état de nuire. Un dernier mot pour finir, vous l'avez déjà évoqué, mais ce soir, que demandez-vous au président français Emmanuel Macron ? On sait que les deux pays ont des liens particuliers. C'est l'ordre républicain. La France ne peut pas se diriger comme les autres pays de la communauté internationale. Dès lors qu'on condamne un coup d'État, on demande le retour à l'ordre républicain. Et la chose que je demande, c'est le comptage des voix. Et il y a un président légitime et légal. Et le Gabon pourra fonctionner. Voilà. Vous, quel score avez-vous obtenu, au fait, selon vos chiffres ? Ben, c'est pas à moi. Ah non, je suis très légaliste. C'est le conseil, le CGE qui est chargé de déclarer. J'ai les chiffres avec moi. Alors, il ne m'appartient pas de les déclarer. Pourquoi vous ne les donnez pas ? Pourquoi vous ne les donnez pas ? Et plein de résultats. Pourquoi vous ne les donnez pas ? Mais parce que ce n'est pas mon rôle. Ouais. Mais vous avez, pas mon rôle. Mais vous avez gagné selon c'est ces chiffres. C'est le CGE qui a compétence de donner les résultats. Et les militaires connaissent les résultats. Donc, qu'il libère le président du CGE, qui devra donner les vrais résultats qui existent, que tout le monde connaît. Dernière question, est-ce que vous appelez aujourd'hui à la libération du président renversé Omar Bongo et de son épouse et de son fils ? Ah non, c'est un problème familial. Moi, c'est le Gabon, ce n'est pas les problèmes familiaux. Ils règlent leurs problèmes en famille. Ça ne me concerne pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Albert Ondossa, candidat donc de l'opposition à cette présidentielle qui a eu lieu samedi, qui a été suivi par ce coup d'État. Vous revendiquez donc la victoire à cette présidentielle. Merci d'avoir répondu ce soir en exclusivité dans 64 minutes à TV5 Monde. Premier échange avec le patronat et déjà les premiers résultats pour le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Pour cet échange avec les chefs d'entreprise, Brice Clotaire Oligingema a d'entrée de jeu fixé les bases de cette rencontre. Aujourd'hui, je vous annonce que sur la base de vos propositions, que je retiens prioritairement 4 pour l'instant, que nous allons dans l'immédiat concrétiser sous la supervision directe. Il s'agit du règlement de la dette intérieure par la mise en place du club de Libreville. Même si par le passé, à la DGSS, nous avons enquêté sur le club de Libreville et qu'on a trouvé plusieurs irrégularités. Je le sais parce que j'étais enquêteur dessus. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. En sa qualité d'acteur économique majeur de notre pays, la Fédération des entreprises du Gabon a énuméré 13 propositions concrètes qui devraient guider son action. Et pour la première phase, 4 de ces mesures ont obtenu l'accord du président de transition pour application immédiate. L'appel systématique au système bancaire
lorsqu'il s'agira de financer nos projets. Et enfin, 4, la mise sous gestion du secteur privé des deux caisses de prévoyance sociale, tant que sont la CNSS et la CNAMGS, afin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes. Au cœur de ces décisions, la lutte contre la précarité et les inégalités pour réduire la fracture sociale en République gabonaise. Les retraités vivent mal. Et je veux que ce soit effectif dès maintenant. Ces annonces de haute portée sociale ont reçu une standing ovation de toute l'assistance. Je suis pratique et pragmatique. Par conséquent, je veillerai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées pour le plus grand bien de nos compatriotes. 24 heures après son accession à la magistrature suprême, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions engrange ses premiers points conformément à sa vision politique pour le patriotisme économique et pour le peuple gabonais.